Alors, c'est une vaste question. En fait, il est vrai que le digital a, depuis ces dernières années, considérablement impacté la façon dont le marketing B2B peut aujourd'hui capter, comprendre et mesurer la performance des résultats. Entre le fait de pouvoir taguer les sites sur son écosystème web, déposer des cookies, des pixels, articuler les activités d'inbound et d'outbound, fait qu'aujourd'hui, on arrive en fait à collecter, mesurer cette donnée et surtout à la mettre à disposition des équipes vente et marketing pour que ces équipes aient un référentiel commun en termes de compréhension de la performance à un instant T et pour qu'elles puissent opérer les meilleures décisions possibles pour effectivement mettre en œuvre les bonnes actions correctives, d'optimisation ou d'accélération en fonction de l'état du pipe à un instant T et en fonction de la performance marketing sur l'ensemble des dispositifs digitaux, inbound ou outbound de la marque. Et ça, je pense que c'est vraiment l'une des ruptures majeures aujourd'hui qui va structurer de plus en plus la façon dont le marketing et les ventes vont être amenés à collaborer ensemble, puisque c'était bien évidemment le thème de la matinée aujourd'hui, l'alignement entre vente et marketing.